Sur RTI 1, nous commençons tout de suite par la primature au plateau. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a échangé ce jour avec le vice-président de la Fédération des producteurs de maïs de Côte d'Ivoire, Bamba Mamadou. Au menu des discussions, la disponibilité de cette denrée alimentaire sur toute la période de l'année. L'État, selon le Premier ministre, va financer l'intermaïs. Je vous propose d'écouter à la sortie d'audience le vice-président de la Fédération des producteurs de maïs, Bamba Mamadou. Nous l'écoutons donc. La rencontre avec M. le Premier ministre a tourné autour du stockage du maïs en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que le maïs est produit en grande partie au nord. Donc on n'a qu'une seule campagne, c'est-à-dire que pour le maïs, et on ne récolte qu'à la même période. De sorte que cette récolte doit servir sur toute l'année en Côte d'Ivoire. Et n'ayant pas les moyens de pouvoir stocker, évidemment aujourd'hui on constate à un moment donné de l'année, que nous n'avons pas de maïs en Côte d'Ivoire. En réalité, c'est parce qu'on n'a pas les moyens de stocker. Si on a la capacité de stocker, on va stocker sur la production pour toute l'année. Donc aujourd'hui, M. le Premier ministre nous a rassuré avec nos partenaires chinois que les moyens seront dégagés pour que justement nous puissions nous doter de silos, qui puissent nous permettre, n'est-ce pas, de stocker dans les meilleures conditions le maïs et pourquoi pas après transformer ce maïs-là. Et donc, nos partenaires qui sont en GDFA ici sont bien outillés pour donc investir dans le domaine des silos, mais aussi pour investir dans tout ce qui est transformation du maïs. On quitte Abidjan, capitale économique, pour Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, où les sénateurs étaient réunis.